Il s'agit d'un amendement qui vise à faciliter le cumul emploi-retraite des médecins libéraux. Et il y a en France un médecin sur dix libéral est un médecin qui est en fait en cumul d'activité. Dans certaines spécialités, c'est même considérable. Chez les psychiatres, c'est un quart des psychiatres qui travaillent en France sont en cumul emploi-activité. Une des difficultés, c'est que quand les médecins libéraux continuent à travailler en cumul emploi-retraite, ils continuent à payer des cotisations retraite qui ne leur ouvre aucun nouveau droit. Et clairement, c'est un frein au fait que certains veuillent ou acceptent de continuer leur activité. Donc, pour encourager les médecins libéraux à rester en activité, et même faire revenir certains retraités, il faut supprimer la cotisation pour les médecins en cumul emploi-retraite. Ça avait fait ses preuves lors de l'épisode du Covid. Ça avait été brièvement mis en place, et puis ça avait contribué au retour en activité de plusieurs centaines de médecins. Il y a plus de 12 000 médecins en situation de cumul emploi-retraite et au-dessous de 70 ans, il y a 80 000 médecins qui sont à la retraite et donc un certain nombre pourraient éventuellement venir renforcer les troupes vaillantes qui sont en manque de praticiens un peu partout en France. Merci.